Bonjour, je m'appelle François Pujol, j'ai 44 ans et voilà, je suis éducateur à l'USB depuis 5 ans. Moi, c'est Florian Lajeunie, je suis en première à Bergerac. En ce moment, je suis en STAPS à Bordeaux en première année et je fais un stage à l'école de rugby de Bergerac pour passer le brevet fédéral. Catégorie U10, c'est une catégorie charnière, on va dire, parce que ça va. Les règles changent complètement. On passe d'un rugby à 5 sur petit terrain à un rugby à 10 avec tout ce qui implique du rugby moderne et du rugby total, comme on dit. Donc, ce qu'on essaie de leur inculquer avant tout, c'est le respect des copains, la solidarité entre eux. Et puis après, on garde les bases techniques du rugby parce qu'ils sont encore jeunes, ils n'ont pas 10 ans. Donc c'est les bases de passe, de placement, de plaquage. Et puis d'ici quelques mois, là, on va attaquer les mêlées, les touches, puisque c'est la nouveauté pour les moins de 10. Les mêlées et touches seront intégrées au jeu et au tournoi. Oui, de leur transmettre notre passion du rugby et leur faire jouer ensemble, que personne ne soit mis à l'écart. Le dévouement, je dirais le dévouement parce que voilà, c'est des moments intenses, je vais dire. Le plaisir que tu as de partager avec les gamins tout ce qu'on essaye, comme tu dis, au-delà du rugby, les valeurs de solidarité, de respect, d'entraide, de soutien. Et surtout, comme disait Flo tout à l'heure, éviter de laisser des enfants de côté. C'est-à-dire qu'on a cette année pas mal d'enfants qui viennent d'arriver. C'est leur première année de rugby, donc le niveau est complètement différent. Mais on s'attache à ce que tout le monde soit intégré de la même manière et progresse avec ses capacités et surtout mentalement dans le bon sens, dans le bon sens quoi. Ouais, j'ai rien à ajouter. Parfait. Enfin, moi j'ai commencé assez tard le rugby, donc il a fallu qu'on me transmette déjà toutes les bases un peu plus tard. Et après ouais, vu qu'on m'a transmis ça, j'ai envie de le retransmettre aussi, moi par ma vision des choses, par ma vision du rugby, mon expérience. Bon, j'avoue que je ne pensais pas y aller aussitôt, mais oui, c'est par rapport au club, tout ce qu'ils m'ont donné et tout ça. Donc, ouais. Si t'as pas peur d'être sale pendant l'hiver, si tu as envie de t'amuser avec des amis, des copains, te faire une bande de copains qui resteront longtemps, parce qu'en fait c'est ça le rugby, c'est des valeurs profondes et qui transpercent les années. Parce que Flo il pourra te le dire, et encore il a attaqué tard, mais je pense, les copains qui ont commencé petits, plus grands, ils restent toujours copains. Donc voilà, puis que tu as envie de t'éclater, viens au rugby. L'amusement, on s'amuse beaucoup. On se fait des copains vraiment pour longtemps. Par exemple, là, en première, il y a Hubert et Rémi qui vont encore ensemble. Moi, j'en ai encore certains qui ont arrêté le rugby, mais on est tellement proches qu'on a continué à être amis. Donc faut venir, faut pas hésiter. J'ai tombé ton téléphone. Ouais, j'ai vu. Il faut l'avoir vu, tu l'as entendu.